Eh bien salut tout le monde, c'est moi HyperMix et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 où je rends un joueur pauvre millionnaire. Alors vous étiez nombreux à me redemander, vas-y HyperMix, fais une note comme ça. Mais je vous avais dit les potos que si la vidéo arrive à 7000 likes, je refais un autre épisode. J'ai mis la barre des likes un petit peu haut, mais les gars vous avez atteint les 7000 likes en même pas une soirée quoi. Et là on est actuellement à 13000 likes sur l'ancienne vidéo. Donc voilà, j'étais obligé de refaire un autre épisode. Et pareil, là cette fois-ci, je vais mettre la barre des likes à 10 000. Si on dépasse les 10 000, ben voilà, je le refais. Parce que j'ai pas envie de faire ça, je mets la barre des likes un peu haut. Parce que j'ai pas envie de faire ça tous les jours. Parce que donner de l'argent comme ça tout le temps, non. Mais voilà, de temps en temps quoi. De temps en temps pour se poser un petit peu, pour voilà quoi. Aujourd'hui, on va rendre un joueur pauvre, un joueur très pauvre, millionnaire, multimillionnaire. On va le faire plaisir, et puis voilà quoi, tout simplement les potos. En tout cas, je vous souhaite un excellent visionnage, amusez-vous bien, passez un bon moment, et dites-moi ce que vous en pensez de l'espace commentaire. Sur ce, à demain. Ciao. Ouais. Allô, bonjour, ça va bien? Ouais. Monsieur, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ah ouais, laquelle? Récemment, vous avez joué un petit jeu sur GTA 5 qui s'appelle Grand Theft Auto Millions, et vous êtes le regagnant de 10 millions de dollars sur GTA 5. Félicitations. Sérieux? Ouais, ouais, merci, c'est cool. C'est pas une blague, écoutez. Vous avez combien d'argent actuellement, s'il vous plaît? Ouais, c'est ça que je crains, ça. Vous avez combien, juste pour savoir? Attends. Alors, vous avez combien? Pas beaucoup. En tout cas, rien. Non. Que dalle, d'accord. Non, rien. Bon, bah écoutez, monsieur, je vais venir vous récupérer avec une limousine. On va aller à la banque. On va vous amener à récupérer votre argent, d'accord? Par contre, s'il vous plaît, pour notre sécurité, pour pas que les gens viennent nous voler, est-ce que c'est possible que vous mutez les autres sauf moi? Moi, je m'appelle Grand Theft Million, d'accord? Mettez les autres muets. D'accord? Et je viens vous chercher, toujours, d'accord? Ah, ok, à tout de suite, monsieur. Un ami de cette personne, les gars, il est niveau 15, il a pas d'argent. Aujourd'hui, on va faire quand même un autre heureux. Voilà, attendez. Voilà, en or. Allez, on va mettre notre chat tout le monde et on va repartir. À l'aéroport, exactement. Dans l'aéroport? Attends, je vais vous voir là, on dirait. Quel aéroport? C'est toi là, avec la tête de mort. Non, c'est pas moi, c'est pas moi. Attends, je te regarde. Ah, restez là-bas, j'arrive là. Bougez pas. Je vais vous voir en hélicoptère. Monsieur, n'hésitez pas à mettre muet les autres. Hein. Parce que. Attends, ils ont des micros. Je vois la limousine. Ah, monsieur. Montez à l'arrière par contre. Hein. À l'arrière, c'est vous le patron. Aujourd'hui, je travaille pour vous, montez à l'arrière. Voilà. D'accord, monsieur. Aujourd'hui, écoutez-moi bien, aujourd'hui, c'est vous le patron, d'accord? Je vais vous emmener récupérer votre argent. Vous aimez la limousine? Ouais, ça va, c'est cool. Ben, elle est à vous. Eh oui, millionnaire, suivez-moi, monsieur. On va aller dans mon bureau, on va aller signer quelques petits papiers, faire quelques petites conditions et vous donner votre argent. Eh, vous avez hâte d'être millionnaire là, monsieur. Ouais, tu vas voir. En tout cas, non, ne vous inquiétez pas, monsieur. Moi, je suis quelqu'un de sérieux. Si je vous ai dit quelque chose, si je promets quelque chose, si je vous dis que vous avez gagné, ne vous inquiétez même pas. D'accord? Ouais, ok, ça va. Allez, pas de soucis, monsieur. Si vous avez peur que je vous tue, mettez-vous en mode passif, monsieur. Mais en tout cas, vous avez rien à craindre avec moi. En tout cas, vous allez être millionnaire. Ouais. Je vais même vous emmener faire des shopping après en limousine. Je suis votre chauffeur. Je suis votre serviteur, d'accord? Ah ouais, j'ai pas besoin de serviteur. Juste des amis. Non, mais juste pour cette session, monsieur. Voilà quoi. Alors, monsieur, mettez-vous juste devant moi. Alors, on va faire quelques petites conditions. Alors, monsieur, vous me promettez que... monsieur, faites attention, s'il vous plaît. Mon ordinateur, il vous a rien fait. Alors, est-ce que vous me promettez de ne pas faire des conneries avec votre argent, ouais. de pas aller voir les prostituées, et voilà quoi. Vous me promettez? Ouais, j'ai pas besoin, j'ai une femme. Ah, super. Alors, ok, dites oui, je l'accepte. Oui, j'accepte. Ok, suivez-moi, monsieur. On va aller dans le coffre-fort de la banque Los Santos. Bon, monsieur, venez ici, je vais vous ouvrir la porte. On va aller dans le coffre-fort. Vous êtes déjà venu ici? Ouais, pour faire un braquage. Ah, vous avez braqué ma banque? Vous êtes sérieux là? Ah ouais, ça date, c'est dans le... Venez suivre moi. Ah putain. Par contre, rangez votre couteau, vous me faites peur.
On dirait un sadique. Bon, monsieur, restez ici, je vais vous ouvrir. Bougez pas, hein. Laissez-moi vous ouvrir. Attention. Allez, entrez, monsieur. Allez-y, n'ayez pas peur, monsieur. Avancez. Voici votre petit chariot qui vous attend calmement ici. Voilà votre petit chariot, monsieur. Il est tout à vous. Putain, sérieux? Ouais. Vous êtes content? Ah, à fond, ouais. Bon, mettez-vous ici, bougez plus et le transfert va se faire, d'accord? 10 millions de dollars, d'accord? Juste devant le chariot, devant le chariot, devant le chariot. Et on va faire le transfert, d'accord? Vas-y. Bon, juste quelques secondes, voilà. Ça va prendre un petit peu de temps, des fois ça va bugger, mais ne vous inquiétez pas, il faut attendre, d'accord? Oh, c'est trop classe. Vous êtes content là, ça vous refait là. Vous étiez dans le besoin, vous avez... Voilà quoi, là vous allez pouvoir rouler grosse voiture. Voilà quoi. Je tiens à vous préciser qu'on passe à la télé aussi. Ça vous dérange pas parce que c'est pour la chaîne iProMX et voilà quoi. Vous êtes en direct devant mes téléspectateurs. Alors mes chers téléspectateurs, nous sommes actuellement en train de faire un petit transfert d'argent pour monsieur Mesrine. Tout ça, ça va changer ma vie. Je vais pouvoir avoir des nouvelles bagues, des nouveaux repères. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ah, je le casse pas, ça fait plaisir. Oh monsieur, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi avec tout cet argent? Bah, je vais acheter des véhicules, un ou deux. D'accord. D'accord, vous allez pas tout dépenser dans vos véhicules. Un hélico. Ouais, c'est pas con ça. Hein. Et peut-être reprendre un appart. D'accord. Franchement, vous avez raison. Ça me fait super plaisir que vous avez gagné à ce petit jeu de Grand Theft Millions. Moi-même, ça me fait plaisir. Voilà. Ma famille aussi, elle sera contente. Votre femme est contente, vos enfants et tout? Ouais. Surtout la femme va pouvoir faire les boutiques. Oh merde, il y en a un qui arrive là. Oh, il y a un truc que je comprends pas, c'est que le chariot il se vide pas. Non, vous inquiétez pas, monsieur, le chariot il se vide lui, mais vous voyez pas. C'est de l'illusion. Non, monsieur, il se vide, ne vous inquiétez pas. C'est bon, c'est terminé. Voilà, hop là. Quelle petite. Vous avez quelques pourboires là, voilà. 11 millions. Voilà. 11 millions, bon, c'est pas grave. Ah. Allez, suivez-moi, monsieur. Bon, monsieur. Vous acceptez que je vous emmène un petit peu. Je vous dépose à votre appartement au moins. Ça serait la moindre des choses. Ah, vas-y, ouais. Voilà. Et si vous avez besoin d'aller quelque part, vous me dites. Regardez partir, monsieur. Il y a plein d'armes partir. Ramassez-y. Ouais. Ramassez toutes les armes, c'est pour vous. Tout ce que vous voyez partir, regardez. Regardez là-bas. Regardez devant vous, là, il y a le lance-roquette, non. Allez, ramassez, monsieur. Monsieur le patron, montez à l'arrière. C'est toi le patron. Non, non, c'est vous. Je travaille pour vous, là. Alors, c'est toi le patron. Je vous dépose où, monsieur? Voilà, à vous de mettre le point et je vous ramène. Je vous amène. En sécurité. Croyez-moi que vous êtes en sécurité avec moi. Allez, on y va. On va chez vous, là, monsieur. Hein, ah ouais. D'accord. Voilà, monsieur. Bon, ben, monsieur, ouais. J'espère que ça vous a fait plaisir. Ouais. Ouais, c'est cool. Vous êtes... Alors, chers téléspectateurs, nous sommes actuellement avec monsieur Mesrine. Avez-vous un dernier mot, monsieur Mesrine, pour mes chers téléspectateurs? Bah, merci. Voilà. Regarde, je te le montre. Voilà, ça fait plaisir. Bah écoutez, monsieur, petit cadeau pour vous, encore un petit cadeau. Ça me fait super plaisir. Vous avez rien à payer, c'est pour vous. Attendez. Oh, ça c'est petit temps. Et attention. C'est un truc très spécial. Mais ça tire pas, le problème ça tire pas, mais vous avez ça, monsieur. Oh, vous êtes mort, excusez-moi. Je vous ai écrasé sans faire exprès. Voilà, bon monsieur, je vous dis à la prochaine. Enfin, continuez à jouer des jeux. Allez, ciao, ça m'a fait super plaisir. Ciao, bye, ça marche. Ciao aussi. C'est cool. Merci, ciao. Et ben voilà les potos, c'est terminé pour cette vidéo. Ça m'a fait super plaisir, méga plaisir d'aider encore cette personne. J'étais obligé parce que vous étiez plus de 12 000 likes, je sais pas combien, sur la dernière vidéo où je rends un joueur pauvre millionnaire. Je vous ai demandé 7 000 likes et vous m'avez mis plus de 10 000 likes. Donc je fais maintenant, j'augmente, je demande plus 7 000, je me demande 10 000 parce que j'ai pas envie de faire ça tout le temps, tu vois. Mais si vous likez énormément, vous êtes énormément à liker, ben je vais continuer à faire cette petite série, à aider des petits joueurs pauvres comme ça. Mais pas beaucoup, pas tout le temps, vous avez vu là, je refais un petit peu, mais sinon voilà, après on va se calmer, tu vois. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, moi je vous dis à la prochaine,
et ciao.